Restez toujours connectés, branchés, scotchés sur votre chaîne, le Bibi Show Ombo Mbombo officiel. Nous sommes de retour. Vous informer, comme je vous disais souvent, vous informer, c'est notre souci majeur. Votre chaîne est là pour vous informer des actualités, de séries, de musique. En tout cas, vraiment, c'est une chaîne de télévision qui a beaucoup de programmes. En tout cas, je suis de retour. Je ferai tout le nécessaire pour vous informer, pour être toujours à la page pour mes abonnés. Voilà. Si c'est votre première fois, je vous laisse 30 secondes pour vous abonner. Merci, je pense que c'est des secondes. Merci beaucoup d'être abonné, likez et partagez. Voilà. Nous allons parler de Joël, le pasteur Joël Francis Tatou, qui s'est marié hier avec sa femme Simiane Brahi Tatou, qui se sont dit oui pour la vie. C'est pas oui pour 2 ans ou 3 ans. Non. Oui pour la vie. En tout cas, félicitations à vous, le couple Tatou. Voilà, nous allons parler de la femme de Joël Tatou, le pasteur Joël Tatou, Simiane, parce que beaucoup se disent, se demandent, en tout cas, d'où vient cette femme? Une blanche, elle vient d'où? Donc, c'est une surprise pour tout le monde. En tout cas, vraiment, restez là, restez connectés. En tout cas, donnez-moi juste 5 minutes, je vous demande, je vous en supplie. C'est juste pour vous d'écouter, c'est juste vous informer de la femme de Joël Tatou. Simiane, c'est mec national, comme on l'appelle. Simiane Brahi Tatou. Donc, Brahi, c'est le nom de la famille. Les noms de la famille Brahi. Simiane, c'est une chanteuse gospel française. Elle a commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Voilà, c'est une vraiment, c'est une chanteuse religieuse, en tout cas, Brahi. Ses parents sont tous de pasteurs. Donc, elle est grandie dans une famille chrétienne. Elle est née en 1987 au sud de la France. En tout cas, Binoba Songi, Bolinga Koyo, Kakoyeba, en tout cas, Boyeba, la femme de Joël Tatou. Sa passion, c'est la musique. Elle aime bien chanter pour Dieu, louer. Et surtout qu'elle a interprété la chanson Nazo Bonde Layore de la sœur Rosny Kaiba. Et elle a fait le featuring avec la sœur Dena. Dena moi, non, en tout cas, vraiment. C'est une prophétesse aussi, c'est une servante de Dieu. Et en tout cas, vraiment, je n'ai rien à vous dire. Le couple Tatou, je vous souhaite bienvenue dans le monde de mariés et heureux mariage. Nous espérons que ce mariage va durer jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de vos jours. En tout cas, merci beaucoup. Et surtout, à la communauté congolaise, juste vous souhaiter la bienvenue de notre sœur Brahi. En tout cas, vraiment, Toyebi, pasteur Joël Tatou, c'est un homme de Dieu. En tout cas, aujourd'hui, nous ne sommes pas là, sorry, excusez-moi pour la rapidité, nous ne sommes pas là pour critiquer ou parler d'autre chose. Nous parlons aujourd'hui de son mariage qui a été célébré hier. En tout cas, félicitations, c'était vraiment une surprise pour tout le monde. En tout cas, heureux mariage, voilà. Bido ba congolais musa na bino ezalaka ko critiquer ko loba mabe ko finga donc tozo luto to kamini te tozo ngato bande monde na ba photo archive ya Simiane. Mais je pense que bon ozala bien aïe, c'est notre sœur, notre sémé qui nationale, notre sémé qui c'est bien qui française, en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse suivre quelques vidéos de la sœur Simiane. Elle est une chanteuse. Elle chante très bien, très bien, très bien, avec une très belle voix. J'ai suivi sa vidéo il y a quelques mois passés. Je me suis dit, ah, on a un oiseau, elle a interprété ma casse. Elle chantait la chanson de la sœur Rosny. Hein, la Nazo Bonde Layo. Je me suis dit, oh non, cette sœur, elle chante bien. Hein? Ah, ça, on a vraiment coco dans la communauté congolaise. Oui. Et aujourd'hui, c'était vraiment une de nos sémeki, hein, une de nos sémeki, parce que nous avons beaucoup de frères congolais
qui se sont mariés avec des blanches. Donc, Erosa la bisovre kitoko. En tout cas, je vous demande de vous abonner sur votre chaîne Bibi Chumbom officiel. Si vous n'êtes pas encore abonné, laissez votre like, abonnez-vous, ça me fera du bien. Donc, je vais faire l'effort de vous satisfaire. Restez toujours connectés, nous sommes là. Nous sommes là pour vous informer. Je vous demande de consommer les aventures de Mamelo. Hein, c'est juste pour vous divertir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises là-dedans. Abonnez-vous et partagez surtout. Restez toujours connectés. Faites-moi confiance. Hein, faites-moi confiance. Ici, Bibi Chumbom officiel, notre chaîne, vous ne serez pas déçus. Vous aurez beaucoup, beaucoup de surprises. Ce n'est pas seulement les news. Vous aurez des séries, de cinéma, beaucoup de programmes, beaucoup de diversités. Des émissions. En tout cas, quant à moi, Madame Bibi Chumbombo Coach, je vous retrouve prochainement. Suivez ces images et on se retrouve à la prochaine numéro de votre émission Analyse Actualité. Merci beaucoup et suivez ça. Hein, restez toujours connectés. Voilà. We hope that you're having a good evening. Nous avons donné assez de temps. Maintenant, nous allons chauffer l'ambiance. So now we're about to do something crazy and we're gonna go crazy. Et nous allons danser. And we're gonna dance. Je ne sais pas comment ça se passe au Ghana, mais chez nous au Congo. I don't know how you guys are doing it in Ghana, but in Congo. La danse est sacrée. Dance is very special. Vous avez eu un petit extrait de combien je peux danser. You guys have seen a preview of how you can dance. Et tout le monde s'est de voir une blanche danser autant aussi. And everybody is always shocked to see Obroni dancing. Hein? Obroni. Oyibo. Timundele. Oyibo. Obroni. Ogana. Oyibo. Au Nigeria. Ok. Et c'est parce qu'elle est sortie de moi en fait qu'elle s'est dansée. Ah, because she came out from me. That's why she knows how to dance. Donc, les blancs ne savent pas danser en fait. Oh. Ma belle famille l'a demandé. Demandé les blancs. Oh non, ils vont se défendre. Ils vont se défendre. Bon, ils dansent à la manière des blancs. Mais à la manière des noirs. Ma femme. Alors, à la manière des noirs. Oh, okay. Bon, c'est pas raciste. I don't wanna... À notre manière. Let's do it the African way. On va faire ça à la manière africaine. Donc, on va danser. So we're about to dance. Are you guys ready to dance? Non, non, on ne vous entend pas. En tout cas, on partage le micro. Okay. En tout cas, si vous voulez me faire plaisir pour danser. If you guys want us to enjoy tonight, please.